Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Concrete Genie et on va continuer le mode histoire. On est sur la vidéo numéro 5. Donc maintenant, à savoir que notre pinceau est devenu une arme et on va pouvoir directement détruire les ténèbres. Donc on s'est arrêté sur la vidéo là et on va devoir continuer, essayer d'aller sauver tous les garçons qui nous ont fait un peu la misère, on va dire. Mais on va pas pouvoir les laisser comme ça. Donc il s'est fait harceler pendant des mois, presque tout l'épisode du jeu, on va dire. Et donc là maintenant c'est à nous à aller les sauver, on va pas les laisser comme ça. Donc là on va faire, là ils nous apprennent vraiment comment utiliser ça allez, là donc on peut faire directement avec le pinceau magique. Voilà, ok, est-ce qu'on peut aller là? Ouais. Surtout pas oublier de prendre la touche R1 pour faire des esquives. Et donc là maintenant, on y va, on va essayer d'aller les sauver. Si ce truc se répand et infecte d'autres génies. Oh purée. Il ne revient pas. Ok, ça avait bloqué. Donc là, on va reprendre le téléphérique pour pouvoir retourner en ville. Donc là, il y a deux choses à faire. Je dois sauver mes soi-disant amis, on va dire. Et il faut que je sauve mes dessins aussi, mes génies. Parce que les génies, ils sont devenus dans les ténèbres, entre parenthèses. Et donc, je dois sauver mes génies. Donc là, on attend. Alors, c'est très rare qu'on a des chargements dans ce jeu-là. Mais de temps en temps, on en a. Mais c'est très rare. Mes amis, et tout allait bien jusqu'à ce que vous... Je sais, mais les autres, ils ont besoin d'aide. Et tu veux les aider? T'es sûr, Froggy? Ils s'en prennent presque autant à toi qu'à moi. Viens, il faut que tu vois ça. Ok. Regarde. Ah, il est dans le mur. Si ce truc le recouvre totalement... Je suis pas... Ok, il s'enfuit. Mon pinceau a éloigné les ténèbres. Tu vas bien? Ouais. Il faut qu'on l'arrête. Oui, mais je crois pas que les génies vont aimer que je les nettoie des ténèbres. Ils vont sûrement filer, et vite fait. Tu pourrais peut-être les ralentir un peu pour moi. Compris. Merci. Ash! Désolé. Ok. Allez, on y va. Donc là, je peux pas passer par là. Ah, il y a des monstres là. Ok.
Boum. Qu'est-ce que... Ah, ok, d'accord, je peux glisser. Il faut lui retirer ce truc. Quelqu'un peut m'aider? Donc on va chercher après. Ah, il est là. Super peinture prête. Il faut essayer de le toucher là. S'enfuir alors? J'essaie d'esquiver. Tu calmes la nuit. Oh oh. Ok, donc ça, s'il y a ça, il faut que je fasse attention. Je suis fin prêt à utiliser la super peinture. Oh, c'est dingue. Ah, je dois garder mes distances. Je veux bien de l'aide, Froggy. Parti vers où maintenant? Ah, là-bas. Je vois une trace. Je serai pas contre de l'aide. Ah, il est clair avec de la lumière. Ok, d'accord. Froggy, t'es où? Esquive. T'as le droit d'être plus doux avec moi. Tu les prends, Féa. Vite. Ok. C'était pas sympa. J'aimerais bien un peu d'aide. Carré. Maintenir carré pour l'apprivoiser. Calme-toi. Allons. Quand il bouge plus. Ok, quand il bouge plus, on peut avancer dès qu'il devient blanc. Sinon, il faut. Voilà. Ok. Tout doucement. Ok. Ça va mieux? Ok, je le refais redevenir gentil. Hein. Il est sûrement pas loin. Mais où tu vas? Ok, on va suivre. Ah, on doit repeindre. Ok. Alors là, c'est pour remettre mes personnages normaux. Hop, voilà, ok. Attends, on va te redonner un peu de lumière. Est-ce que ça t'aide? Ah, ok, il doit encore suivre. Ok. C'est bon. Ça? Non, c'est pas ça, c'est ça.
Ah ok, d'accord. Alors à chaque fois on les réactive et ça il remonte en le chef-d'œuvre en fait. Chaque personnage est dans mes chefs-d'œuvre, il faut que je refais les chefs-d'œuvre. Ok, d'accord. Ça l'a sauvé. Donc à chaque fois les personnages se retrouvent dans mes chefs-d'œuvre, il faut que je réactive mes chefs-d'œuvre. Ok, d'accord. Froggy. Pas mal. Vieux, t'as réussi. Merci beaucoup. Barbouilleur. Je m'appelle H. Et de rien sinon. Vivre. Bref, je voulais juste dire. En vrai, je voulais pas te. Ok, donc là il faut que je vais sauver quelqu'un d'autre. Faut qu'on continue. Tu as une lampe? Oui, mais. Pour Froggy va t'expliquer. Allez. Voilà. Hey. Qu'est-ce que c'était? Non, c'est là-bas, ok. Oh, là. Ah ok, elle est dans le chef-d'œuvre là-bas. Oui, pris au piège de leur cauchemar. Exactement comme toi. Ah, il faut qu'on les sorte de là. Oh. Ah, j'ai un autre pouvoir maintenant. Y a quelqu'un? Ok, donc là j'ai un pouvoir électrique. Ok, d'accord. Maintenant je peux le faire. Ok, on ne bouge plus là. Ouh, il m'a bien dégommé. La super peinture devrait m'aider. On va essayer d'aller les chercher. Zach, est-ce que tu peux m'aider? Super. Ah là, j'ai mis à beaucoup là, par contre. Dès que j'arrive à activer un peu de super peinture, ça lui fait vraiment mal. Hein. Il faut que je joue pas mal avec la super peinture. Tu viens m'aider, Froggy? Zach, t'es où? Il est planté là. T'es dans le coin, Froggy. Tu dois me laisser t'aider. T'es passé où, Zach? Dépêche, H. Allez, on y va. Là, il faut que j'arrive à détruire sa bulle. Tu peux m'aider, Froggy? Il est parti aussi. Où est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est en bas? Là-bas peut-être, non? Zach, t'es passé où? À mon avis, il doit être ici, non? Oh là! Allez, bouge! Il est pas là. Là pour vous, non? Zach, tu devais surveiller mes arrières. Il est où? C'est en haut. Ah, peut-être en haut de la porte. Ok, d'accord. À mon avis, il doit être par là. Ok. Par là, et il a tourné par là. Donc ici, ah, il est là-bas. Okay. Ah, il y en a deux. Alors déjà, c'est pas facile, alors deux. Bon, on va y arriver quand même. Allez. Encore un? Mmh.
tout va bien. Je vais t'aider. Zach, est-ce que tu peux m'aider? Alors, est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti là-bas tout en bas? Ah, il est là. Zach, tu devais surveiller mes arrières. Ça devrait être... Ça lui a vraiment bien abîmé sa vie. Zach, t'es où? Ok, ils sont deux maintenant. Là, il est bloqué. Oh, ça va. Ah, lui, il est déjà pris. Zach, t'es passé où? Allez, allez. Ok, donc là c'est bon, je peux les récupérer. Appuyer sur carré. Je vais pas te faire de mal. On va attendre deux secondes. Voilà, c'est bon. Ok, je l'ai libéré. Tu vois, tout comme avant. Il faut que je fasse celui-là maintenant. Pas de geste brusque. Mais dès qu'il commence à bouger, à s'énerver, il faut faire attention. Voilà. Là, c'est bon. Allez, on va suivre. Ah, tu veux du feu. Ok, on va te donner du feu. Champignons, ok. Et tu veux quoi? Ça. À mon avis, il m'en manque un. Ah ouais, il y en a un là-bas. Quand il y a deux personnages, il y a deux ronds à réanimer. En fait. Ok. Allez, mon ami. Allez, on y va. Vas-y, je te suis. Allez. Est-ce que tu veux des arbres? Je crois pas que je les ai sur celui-là. Voilà. Ah,
les étoiles. Alors de l'herbe j'en ai là. Ok, et tu veux un tourbillon. C'est bon. Donc voilà, donc quand il y a deux monstres, à chaque fois je vais devoir faire deux fois. Ok, d'accord. Jenny, vous allez bien? Oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Ash, non? Je crois l'avoir vu. Oui, il vous a sauvé. Comment? Et pourquoi? Il est le seul à pouvoir battre ces choses. Grâce à son pinceau. Ok, là, on va devoir aller dans les égouts. Pourquoi? Parce que j'en ai trop vu. Les cris, les bagarres, les parents qui se séparent, et même un père en prison. Et j'ai compris que tout ce que vous me faisiez vivre, c'était pas contre moi. Depuis le début. Enfin bref, vous vouliez savoir pourquoi. Je crois que c'est ça la raison. Ash, écoute, je sais pas quoi dire. Je suis désolé. Nous aussi. À chaque fois qu'ils s'excusent, la peinture qui sont sur eux s'enlève en réalité. Je viens de le remarquer à chaque fois. Vous voyez, maintenant, ils ont plus de peinture, un peu le truc noir. Là. Allez, on y va. J'ai encore d'autres amis dans la voie navigable. C'est là que je dois aller. Et tu nous dis ça parce que... Parce que si Béatrice s'y trouve aussi, j'aurais besoin d'aide pour la sauver. Comment on peut t'aider? C'est toi qui as le pinceau. Fais gaffe! Ok. Donc là, on va devoir aller le faire, mais dans les égouts. On fait de la glisse à la peinture à portée de l'activité de la peinture. Ok. Voilà, donc vous voyez là. Ça va bien se passer. Ah ok, on a le vent maintenant. Vous voyez? On a pour utiliser la compétence du vent. Ok, d'accord. Donc là, je peux utiliser la compétence normale ou la compétence du vent. Je préfère ça. Oh là. Ah, par contre, ça va. Ouais. Donc, en réalité, vous devez toujours utiliser la compétence carrée, donc la compétence entre la tête de feu. Et par contre, quand ils ont un rond jaune ou un rond bleu autour de eux, ça veut dire que vous devez utiliser sa compétence à lui. Voilà, vous voyez. Oh. Éclairer. Il y a quelqu'un ? Et quand vous faites la flèche sur le côté, ça indique. Oh là, pas mal. Ça indique qu'ils peuvent aller l'éclairer en VT pour pouvoir le bloquer. Bah elle est là. Ok, d'accord. Il faut que je la sorte de là. Ok, on y va là. On y va. Je peux t'aider, reste tranquille. Ah, j'ai pas réussi à esquiver. Ah, le deuxième. Ah, je m'en doutais qu'elle en va. Minimum deux, peut-être même un troisième. Donc là, bon, celui-là, je l'ai bien attaqué, donc peut-être que le deuxième m'embêtera pas trop tout de suite.
Ah, ils s'en vont à deux. On poursuit, t'as mieux. Ok, donc ils sont partis là sur le côté. J'aimerais bien un peu d'aide. Ils sont partis par là. Oh oh. On va essayer d'attaquer le plus vite possible. Ah là, tu me protèges. Ah, ouais. Dis-moi que c'était un accident. Oh, faut que je fasse attention à ma vie. Super. C'est bon, j'en ai eu un. C'est bon, voilà, c'est bon. On va essayer là-bas. Soit on non. Ok, si je vais trop vite, ça va pas, vous voyez. Voilà, quand il fait ça, je peux avancer. Arrête. Chut, ne bouge pas. T'inquiète, j'arrive. La vache, il est pas content. Donc j'en ai que 2 sur 3, ça va. Par contre, vous voyez qu'il a carrément bloqué le passage. On pouvait pas ressortir en fait. Et voilà. Ok, bon, je viendrai chercher la lumière après. Je vais d'abord m'occuper de lui. Je vais pas te faire de mal. Ok, ça l'a libéré. Je me demande si je peux pas prendre les deux en même temps ensuite. Ok, allez, allons chercher les... Voilà, c'est bon. Là, je peux prendre les deux direct. Voilà, comme ça, je peux faire les deux tout de suite. Ok, donc là, on me demande de faire une guirlande. Ok. Au niveau du vert, on me demande ça. Ok, hop. C'est bon. Et après, on va dans l'orange. Dans l'orange, on me demande de faire ça. Et les plantes là. Ah non, trompé, c'est pas les bonnes plantes. Allez. Ça, je peux faire les deux en même temps. Oh bah là, ils ont mon dos, par contre. Alors, ça. Ça, c'est au milieu, je crois. Le vent sur le côté. Et les petits bambous là. Donc là, il me demande du orange. Donc les papillons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire par exemple les papillons là. Voilà, l'arbre au milieu. Et ça par là. Voilà, comme ça, au moins, je sais. Oula. Elle les a récupérés. Attention! Ah, je reviens! Itchia!
Ok, il lui a pris son sac. Et mince, elle est toujours bloquée. Comment on va la sortir de là? Tu peux le faire? Non, je peux pas peindre sans mon carnet de croquis. Et sans ces génies... Maintenez L1. Il a réussi quand même à la sauver. Mais c'est Vanou. Ok. Froggy. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Froggy? Une grenouille. Peut-être que tu pourras lui apprendre à en peindre une. Quand on t'aura aidé à retrouver ton carnet de croquis. Tu plaisantes? Poursuivre cette chose? Non mais, tu l'as vu? Écoutez, on est sains et saufs, grâce à Ash. Je dis qu'on s'arrête là. Et qu'on laisse le phare à cette chose. On n'en a pas besoin. Non. Si on s'en va, les ténèbres vont revenir à nouveau. Edenska ne sera plus jamais une belle ville. Je peux pas laisser faire ça. Je l'ai promis. À qui? Elle... n'est plus là. Mais au fond, ça ne change rien. Je vais retourner au phare. Très bien. Ok, donc là, on va attendre le chargement. Donc on a réussi à sauver les 5 personnes. Maintenant, il faut qu'on arrive à récupérer notre bouquin, détruire le dernier, et après on verra bien s'il y a autre chose ou pas. Ok, donc là, il faut que je retourne vers le phare, c'est ça? On va essayer d'aller directement au phare. Toutes mes peintures gâchées. Allez, on y va. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé au phare? Ah, il a bloqué le téléphérique. Ah, il a bloqué le téléphérique. Ok, on va par en dessous. Super. Comment je vais traverser? Chloé, du bateau! On te dépose? Ok. On est un peu plus de chargement que les premières vidéos, je trouve. Ne bougez pas et reculez immédiatement lorsqu'il est au clac. Allez, Zach. Allez, grand frère. J'ai les bras mous comme des spaghettis. On dirait des spaghettis d'ailleurs. Tout fin. La ferme. Venez, les gars.
Ah, au fait. On a trouvé ça en chemin. Tu veux sûrement les récupérer. Merci. Oh purée. Ok, donc là on peut pas passer. Chapitre 5, la fin, le final. Ok, d'accord. Donc on c'est la fin. Ce coin-là est vide. Ah, il y a des lumières. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je vais mettre? On va essayer de faire de la glace. Joli travail, H. Celui-là, peut-être. C'est pas mal. Il y en a dedans. Et ici, alors tu devrais quelqu'un peut m'aider? Non, c'était comme ça. C'est quoi de ça? Ah ouais, ça fait carrément un mur de neige complet. Alors faut surtout regarder que les lumières soient bien allumées, parce que de temps en temps, si on a une qui n'est pas allumée, ça marche pas. Voilà, de toute façon, c'est bon. On a entendu le bruit, ok. À mon avis, il doit en avoir là. Bah ouais, c'est ça. Allez. Ah non, c'est là. Eh mec, vous pourrez peindre ici. Ouais. Ah bah ouais. C'est trop génial. Donc là, c'est tout des pages, mais au niveau de la glace. Donc ok. Il va falloir que je récupère quand même mes pages avant. Hein. C'est bon, ça va. Il n'y a plus qu'à entrer. Je vais rester avec toi, ok H? Bien sûr, Froggy. Oh, mince. Là, je peux pas avancer plus vite. Hein. Tout ira bien. Ça sent pas bon non plus. Oh, mieux vaut éviter la glisse sur peinture ici. Quittez-moi. C'est trop sombre. Ah, des chauves-souris! Calme-toi, frangin. Elles te feront rien. Ouais, c'est ça. Pas de quoi s'inquiéter. Là, je peux pas passer. Là, je peux pas utiliser mon pinceau pour glisser. Il n'y a rien à peindre. Il fait trop sombre pour la glisse sur peinture. Faut pas les toucher. Zach a raison. Prends pas de risque. On va courir. Hein. C'est trop loin. Comment faire pour traverser? Ok. Hey, et si on construisait une rampe? Une rampe? De quoi tu... Oh, j'ai compris. Allez, aidez-moi à soulever ce truc. Ah, ils veulent faire une rampe pour que je puisse glisser dessus. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Les gars, je dois continuer. On va essayer de trouver un autre chemin. Sois prudent! Oh, 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 j'ai sauté trop tôt. Ok, d'accord. J'ai bon. Oh, je déteste être trempé. Mon sac, ok. Sac et des dessins. Par contre, y'a rien. Splotch? Swoosh? Ouais, c'est bon. Ok, bon, on va les récupérer. Hein. Tenez bon! J'arrive! Ça aurait pas été aussi facile que ça, hein. Je me doute. Hein.
Il va être coriace celui-là, je sens. Oh non! Qu'est-ce que cette chose t'a fait? Que je te vois plus! Super! Ça n'arrive pas beaucoup! Je préfère ça. Faut que je les évite. Ok, donc il faut que je fasse un coup devant et puis maintenant. Donc il doit sûrement avoir une technique pour pouvoir le tuer, parce que je trouve que sa vie s'enlève pas très vite en vérité, donc il doit sûrement avoir quelque chose. J'ai réussi à libérer le deuxième. Par contre, faut que je fasse attention à ma vie. Hein. J'ai l'impression que j'arrive à le toucher, mais presque que quand il est sur le truc. D'avancer. Ah, c'est bon, j'ai fini. J'ai réussi à l'avoir.
On va essayer de s'appuyer, on va voir. Ok, tout doucement. Voilà. J'ai réussi à l'avoir. J'ai eu de la chance, on va dire, mais bon. J'ai réussi à l'avoir. Ok, donc. On dirait que la bouche et les yeux, c'est Luna. Je me demande si c'est pas lui, mais en version méchant. Avancer. Voilà. Luna. Je croyais. Je vous présente Luna. C'est grâce à elle, le pinceau, les peintures, les génies, tout ça, quoi. Elle a l'air de penser que c'est toi, Ash. Enfin bon, enchantée, Luna. Alors c'est à toi qu'Ash a promis qu'il nettoierait Denska ? Eh ben, j'aurais aimé que tu vois ça. Ces peintures étaient... Oh oh Luna ! Je dois empêcher ces ténèbres d'atteindre Luna. Je dois dessiner. Ah, parce qu'elle me demande une pierre. Oh, je vais les faire au pif. Une fleur. Allez, où la fleur? Donc là. Ok, là, elle va me demander quoi? Ça. Ouais. Ah, ça part dans le orange. Ok, faut que je fasse attention parce qu'il y a des couleurs. Ok, des étoiles. Super peinture chargée. Ah, j'ai fait du pif, je vous le dis tout de suite. Elle va retourner dans le phare.
Donc ils sont en train de nettoyer toute la ville. Wow. Tout pareil. Mais vous pensez que les gens vont revenir maintenant? Ben pourquoi pas. C'est plutôt sympa en fait. Eh hey, mais je viens de réaliser, on est 6 maintenant. Et? Eh ben on va enfin pouvoir jouer au basket avec deux équipes égales. Ah ouais. En fait, je te comprendrais si tu voulais plus jamais nous revoir. Mais après tout ce qu'on a traversé, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Ash? Tu dirais quoi d'un petit 3 contre 3? Je crois qu'il préfère peindre, Chuck. Peut-être qu'on peut faire les deux. Ouais. Donc voilà, on a fini le jeu. C'est pas mal parce que ça reproduit tous les dessins que j'ai fait en fait. On voit les deux dessins que j'ai fait là-bas, je les reconnais. Hein. Les personnages aussi. Ça, c'est moi qui a fait ça. J'avais la folie du soleil. Ça, c'est vraiment au début, hein, quand on sait pas trop manier le pinceau. On met un peu de tout partout. Et on... Ah, ils ont rejoint tout. Voilà, le jeu est terminé. Franchement, un très bon jeu. Je vous mens pas. C'est un très bon jeu. Il est gratuit sur PlayStation Plus. N'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est un très bon jeu. Je regrette même de ne pas l'avoir fait avant. Parce que, franchement, j'ai passé un bon moment sur ce jeu-là. Et j'aime bien le principe de pouvoir dessiner et tout. Franchement, je trouve ça super bien fait. Donc, franchement, je vous le recommande. Donc lui, il apprend à dessiner, ok, là ils font du basket comme ils avaient dit. Donc ils étaient ennemis et ils sont devenus amis. Donc vous voyez que les circonstances font que... Pas juger. Surtout juger les gens, c'est très compliqué en fait. Et surtout quand on les connaît pas. Donc il vaut mieux pas juger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.